On se retrouve aujourd'hui pour un gros retour de course du mois de janvier. Oui, je m'y prends un peu tard, c'est parce que je rentre à peine de vacances. Le frigo est vide, on a juste fait quelques courses d'appoint pour le petit déjeuner du lendemain et les goûters. Mais sinon, le frigo est vide, les congélos sont quasi vides puisque j'ai fait un vide congélo avant de partir. Le but était d'éteindre carrément un congélo pour pouvoir le dégivrer, chose qui a été faite. Et que vous avez vu en short sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, c'est parti pour le gros retour de course du mois. Donc j'ai été à Lidl et j'ai fait un drive à Leclerc. Je voulais procéder différemment et acheter uniquement que des promos dans diverses enseignes. Mais l'enseigne Carrefour, j'ai passé plus d'une heure à faire un drive et il se trouve que pour le créneau demandé, et le jour demandé pour les courses, il n'y avait plus de créneau. Donc j'étais dégoûtée, c'est pas la première fois. Je pense que pour Carrefour, il faut s'y prendre un peu plus tôt puisqu'ils ont énormément d'avantages sur la carte. Et donc, ben, les drives, quand ils ont des petits drives, les créneaux sont pris assez rapidement, ce qui est bien dommage, malheureusement. Donc, c'est parti, je vous laisse avec le retour de course. Commencer par l'état du frigo et des congélos. Donc ici, voilà ce que ça donne. Après, on a mis vite fait les trucs là parce qu'on a fait quelques courses quand on est arrivé de vacances. Donc voilà, c'est vide, hein. Y a plus rien. Au niveau du haut, ben voilà ce que ça donne. C'est quand même assez plein puisque on a libéré un congélateur que je vais vous montrer juste derrière. Ensuite, quand on vient derrière, donc ici, ben, c'est pareil, c'est vide. Ici, il y a des légumes. Et ici, ben, en fait, il est vide, il est nettoyé et il est de nouveau fonctionnel. Après avoir fait les courses, ben voilà tous les sacs que j'ai. Donc je pense que je vais refaire un appoint d'ici 15 jours pour ben, la dernière semaine de janvier. Et du coup, je vais commencer par Lidl. Donc j'ai pris une brioche tressée comme ceci, pur beurre. J'ai aussi pris une chocolatine que j'ai déjà engloutie. Donc ensuite, j'ai pris 3 artichauts. C'était à 1,49€ pièce. Ils sont assez gros, ils viennent d'Espagne. Ensuite, j'ai pris principalement de la viande, donc j'ai pris un rôti de porc, comme ceci, je trouve que le prix a augmenté. J'ai pris du bourguignon de bœuf, mais il me semble qu'à Intermarché, c'est moins cher, mais comme vous savez, je boycotte Intermarché, parce que là, il n'y a que 550 grammes, et je crois que c'était le prix que j'ai payé, c'était le prix au kilo à Intermarché. Ensuite, j'ai pris de l'émincé de porc. J'ai pris des saucisses de Toulouse 8, c'était tant promo. Je vais les séparer en deux et ça ira au congélateur. J'ai pris des hauts de cuisse en 1 kg aussi. J'ai pris des crépinettes de porc. Et j'ai pris un poulet fumé. J'ai pris un fouet. J'ai pris des petites gourmandises comme ceci pour aller avec le café. J'ai pris un mélange de fruits secs. J'ai pris de la noix de coco râpée. J'ai pris des petits chocolats ici pour aller avec le café. Je me suis pris un collant thermique parce que j'en ai pas et il taille. J'ai pris des pépites de chocolat noir. J'ai repris en viande 1 kg d'escalope de dinde que je vais séparer aussi et ça ira au congélateur. J'ai pris un sauté de poulet. J'ai pris 1 kg de crevettes cuites, c'est pour faire une sauce crevette avec tout simplement. Donc je range tout ça et on se retrouve pour le retour de course de Leclerc. Concernant Leclerc, je commence par le surgelé. J'ai pris de l'échalote en surgelé comme ceci, c'est la première fois que je trouve de l'échalote comme ça. Ensuite, j'ai pris des petits pois doux très fins. J'ai pris des nuggets de poulet. J'ai pris des beignets de calamar. D'ailleurs, échalote, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris des légumes pour potage, comme ceci, pour la soupe. Il y a des carottes, pommes de terre, chou-fleur, haricots verts, céleri blanche, oignons. Ensuite, j'ai pris des fruits, comme ceci. J'ai pris de la viande hachée, comme ceci, céréales fois 2. J'ai pris des steaks hachés à l'oignon et j'ai pris un cocktail de fruits de mer. Ensuite, j'ai pris de la viande aussi hachée comme ceci et que plus en 800 grammes. Généralement, je passe
800 grammes en 2 semaines. Ensuite, j'ai pris de l'émincé de champignons de Paris. J'ai pris des brocolis en fleurette. J'ai privilégié les légumes en surgelé là parce qu'en frais c'était trop cher. J'ai pris des oignons émincés. J'ai pris des courgettes en rondelles. J'ai pris des pommes de terre rissolées comme ceci. Et j'ai pris des haricots verts extra fins. Ensuite, avec le frais, j'ai pris des compotes, donc pommes poires, 1, 2, 3 pommes poires, par 4. J'ai pris des lardons par 2. J'ai pris du jus d'orange sans pulpe, comme ceci. J'ai pris du jambon, comme ceci. J'ai pris du saumon fumé et cocu. J'ai pris du bacon, j'ai pris du cervelas, j'ai un beurre, normalement j'ai un deuxième qui traîne par là. Ensuite j'ai pris une baguette tradition, de la brambade pour ce midi, mon deuxième beurre il est là. J'ai pris de l'emmental à râper en 350 grammes, j'ai pris de la brique comme ceci, j'ai pris de parmesan. Comme ceci, j'ai pris du cheddar, spécial burger, j'ai pris des caprices de Dieu, comme ceci, mini caprice, j'ai pris un bébé Paul comme ceci, j'ai pris un fromage à raclette nature 3 pave et fumé, j'ai pris du jambon de serrano et j'ai pris des petits pavés d'affinois comme ceci. Ensuite, au niveau des fruits, j'ai pris du citron vert comme ceci. J'ai pris des bananes bio. J'ai pris un filet de 3 avocats. Un filet de pommes. J'ai pris 4 kiwis. Et j'ai pris 6 pommes. Ensuite, concernant le couscous, j'ai pris du sucre en poudre comme ceci. J'ai pris 2 paquets de. Un paquet de fennel, un paquet de torsade en 500 grammes. J'ai pris du sucre en morceaux. J'ai pris des pastilles de la vaisselle et cocos. J'ai pris de la farine. Normalement, il y en a un deuxième qui est comme ça. J'ai pris du jus 4 agrumes, 100% pur jus. J'ai pris du jus de pomme 100% pur jus. Et il y en a deux. J'ai pris 1 kg de spaghetti. J'ai pris un Jaffan Tropical, c'est un peu comme de l'Oasis. J'ai pris du Eco Plus et donc il y en a deux. J'ai pris un kit pour faire des burritos extra doux. J'ai repris de la compote comme ceci en pommes fraîches. J'ai pris du soja cuisine comme ceci. J'ai pris des biscuits apéritifs comme ceci. J'ai pris des pointes d'asperges. J'ai pris un cappuccino. J'ai pris un grand ketchup. J'ai pris du chocolat noir pâtissier. J'ai pris de l'aioli. J'ai pris des biscuits apéritifs comme ceci. J'ai pris des compotes comme ceci à la pomme. J'ai pris un petit sachet pour faire des papillotes au four. J'ai pris des grignotes du barbecue comme ceci. C'était sans promo, donc on en a 3. J'ai pris 2 pâtes à tartiner Nusticaro et j'ai repris des pépites de chocolat. Ensuite, j'ai repris des compotes à la pomme comme ceci. J'ai pris des haricots mungo comme ceci. J'ai pris du maïs à croquer. J'ai pris de l'arpic 10 fois plus puissant. J'ai pris du vinaigre balsamique x2. J'ai pris du Silic Bang, c'était en promo toute la gamme Silic Bang. Donc il y en avait un acheté, le deuxième à moins 60% il me semble, ou moins 30%. Donc crasse et calcaire et un zéro moisissure. Ça sent le ménage de printemps. J'ai pris
de la Rétro Blanc comme ceci, un seul, et j'ai pris deux boîtes de pochettes. J'ai aussi repris un W7 Energy, ça c'est vraiment le truc imbattable contre le calcaire, et c'est vrai. Et j'ai pris de la lessive concentrée comme ceci, univers. Ensuite j'ai pris des œufs, mais bon, il n'y en aura pas fait pour moi. J'ai pris des lunettes comme ceci à mettre au congélateur. Un paquet de farine, c'est pareil, j'en reprendrai plus tard. J'ai pris des pains burger, j'ai pris des pains panini. J'ai repris le deuxième paquet de farine ici. J'ai pris des flageolets, il y en a deux. La deuxième boîte d'haricots blancs, elle est ici. J'ai encore de la compote ici. J'ai pris des pains à bagel. J'ai pris une boîte de saucisses cocktail. Ensuite, j'ai pris du Dentamil. J'ai pris du gel douche comme ceci. C'était en promo x2. J'ai pris un dentifrice pour les filles. J'ai pris de la levure. J'ai pris de la bière. Donc, j'ai pris le A3Mont comme ceci. Blonde. J'ai pris une goudale. J'ai pris un cidre rosé. Ensuite, des tortillas comme ceci. Des chips. Des chips comme ceci, saveur barbecue, de la semoule, des pots de rolo 1, 2 et 3, du tomate coulis comme ceci pour les pizzas, des lentilles vertes, du ritaille, de la cassonade, de la sauce de soja sucrée, des olives vertes, des noyaux, un petit mélange de graines, du sucre vanillé, du pâté et le deuxième pot de compote de pommes. Comme c'est chiant au niveau compote, on est bon. Et pour terminer, deux paquets de papier toilette, c'était en promo, le lot de deux. Ensuite, nous avons du sopalin qui était en promo. Nous avons de l'eau gazeuse, deux packs de la pétillante et quatre packs d'eau. Donc, c'est pareil, l'eau, je vais devoir refaire un appoint. Donc, il faut savoir que à Lidl, j'ai dépensé pour 87,53€ avec ma paire de collants incluse. Et à Leclerc, j'ai dépensé 270,25€. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est beaucoup ou pas. Je vous affiche le montant en commentaire, enfin, juste sur l'écran, là, le temps de faire le calcul. Et du coup, je retournerai faire les courses, je pense, d'ici 15 jours pour prendre quelques produits frais. Alors, je pense qu'au niveau compote, on a compris, j'avais fait le stock et normalement, j'en ai pas besoin, sauf si elles en mangent au taquet. Et je retournerai sûrement pour les desserts parce que là, j'en ai pas pris puisque j'avais déjà fait un petit appoint, comme je vous l'ai dit, quand on est rentré de vacances le jour même. Et je retournerai aussi pour prendre des fruits et légumes. Alors moi, j'ai un marchand de fruits et légumes qui passe tous les mercredis. Donc, il faudrait qu'une fois que j'ai plus de fruits, le mercredi qui suit, j'aille faire un tour pour récupérer des fruits. Et pourquoi pas une salade. Comme ça, je peux manger un petit peu de salade le soir. Et tenter d'inculquer aussi une petite entrée, pas bien chère, en salade, voire en soupe le soir. Pourquoi pas. Il faut savoir que mes filles ne sont pas très légumes. Et dans ma vidéo de résolution de l'année qui est passée sur ma seconde chaîne, où je vous racontais aussi mes vacances, qui est déjà sortie, donc je vous invite à aller voir pour celles qui, et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous disais que pour mes résolutions, ce sera aussi de manger beaucoup plus de légumes. Il faut savoir que moi, mes filles, elles sont pas très légumes. Elles sont beaucoup fruits, mais pas très légumes. Et j'ai décidé que ben, cette année, j'allais faire des légumes et que je leur mettrais ne serait-ce qu'un petit morceau. Parce qu'un petit morceau de légumes, c'est toujours mieux que rien. Donc ça fait partie de mes résolutions. Donc je vous laisse aller voir les autres résolutions si jamais ça vous intéresse. Et puis mon petit récit de mes vacances, comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai aimé la Martinique ou pas. Est-ce que je retournerai ou pas. Donc tout est dans la vidéo sur la seconde chaîne de la chaîne By Gaëlle. Sinon... cette année, ce que j'ai décidé aussi de faire, c'est de faire un budget planner avec un système d'enveloppe, alors pas pour tout, mais virtuel, ou du moins tracer, faire un tracking de toutes mes dépenses. Donc je vais vous montrer avec une page blanche parce que j'ai déjà commencé à remplir. Donc moi, mon petit carnet, il vient de chez Temu. Et du coup, la plupart des choses sont en anglais. Après, ben, il n'y a pas de souci. En fait, tu passes un coup de blanco si tu n'aimes pas l'anglais et tu mets en français. Moi, c'est ce que j'ai fait pour certaines choses. Donc là,
Je refais mon petit planner. Donc, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait au point. Il y a quand même pas mal de cases. Donc, j'ai mis sécurité, par exemple, pour l'alarme. Les assurances, toutes seront regroupées en une et ce sera écrit au crayon à papier. Parce qu'en fait, après, je peux reprendre toutes mes dépenses qui passent sur le compte en les écrivant ici et ici. Enfin, j'ai assez de place et assez de feuilles pour pouvoir écrire jusqu'au mois d'après. Et donc il y a l'électricité, l'eau, j'ai mis l'école, le téléphone, l'internet, j'ai mis le coiffeur, le shopping, les soldes, puisqu'en ce moment il y a les soldes, les cadeaux, si jamais il y a des cadeaux. J'ai mis les courses, les restos, animaux, c'est pour la nourriture des animaux. Ah, ensuite j'ai mis mes dépenses en tant que prêt à rembourser, l'épargne que je mets. Sur un compte tous les mois, je mets de l'argent sur un compte depuis 10 ans, la même somme. Et du coup, ben, je continue à mettre cet argent de côté. Les salaires. Ensuite, il y a les remboursements de CPAM, le médical, tout ce qui est médecin. Les remboursements de ma mutuelle. Ensuite, j'utilise moi pour faire vendre un peu plus vite sur Vinted, j'utilise l'application Claims. J'utilise aussi pour YouTube de la musique que je paye un abonnement mensuel. J'ai aussi le YouTube Premium que je paye en abonnement mensuel. J'ai Netflix et j'ai la danse des filles. Ensuite, bah, j'ai l'essence. J'ai laissé maintenance au cas où qu'il y ait des réparations sur la voiture. Ensuite, une catégorie autre, ce sont des enveloppes virtuelles. Donc, je vais faire une enveloppe virtuelle pour les animaux, une enveloppe virtuelle pour les vacances, une enveloppe virtuelle pour la voiture. Une enveloppe virtuelle pour les anniversaires, une enveloppe virtuelle pour Noël et une enveloppe virtuelle parce que j'aimerais m'acheter un Cookeo. Et du coup, au lieu de payer 300 balles, je sais pas combien ça coûte un Cookeo, enfin c'était un peu plus de 200 euros, surtout si tu veux la dernière version. Je me suis mis une enveloppe virtuelle pour mettre des sous de côté tous les mois. Et quand j'aurai les sous, je pourrai m'acheter. J'aimerais bien aussi m'acheter un SteamPod et du coup, ben, j'aimerais faire une enveloppe virtuelle aussi là-dedans quand mon Cookeo sera fait. Donc ce mois-ci, en termes d'enveloppe virtuelle, là pour la plupart des choses, en fait, j'ai déjà écrit. Donc il y a des choses qui sont en stylo et ce sont des choses permanentes. Par exemple, Netflix, je paye 19,99€. Donc voilà, budget actuel, c'est toujours le même. La danse, c'est 70 euros par mois pour les deux filles et non pas 70 euros par enfant. Ensuite, par exemple, l'eau, je paye 26 euros par mois et à la fin de l'année, ben, on voit si j'ai économisé ou s'il y a eu un dépassement. Donc du coup après il y a le reliquat. Ensuite pour les animaux, donc j'ai décidé de mettre 50 euros de côté tous les mois pour au cas où qu'il y ait un problème de santé, puisque l'année dernière mon chat a eu un problème de santé et c'était catastrophique. Là on a dû sortir 600 balles. Voilà, sinon ben tu payais 100 euros et t'avais plus de chat. Pour les vacances, là, je vais faire une enveloppe virtuelle aussi de 50 euros par mois. C'est le budget pour bah, quand on partira en vacances. Il faut savoir que cette année, on part pas en vacances. On part juste une semaine en Belgique puisque c'est l'anniversaire du grand-père à mon mari et il fêtera ses 90 ans. Donc pour l'occasion, on se déplace en Belgique. Et à part la Belgique, il y aura peut-être un ou deux week-ends par là. Mais on voulait partir à Noël, fêter à Noël à Puyangali dans les Pyrénées. Mais il se trouve qu'en fait, c'est déjà pris. Noël vient de se terminer et Noël prochain est déjà pris. Et il a essayé de trouver d'autres appartements à Airbnb. Mais ben voilà, en fait, tout est pris. Même dans les autres villages à côté, tout est pris, les autres stations. Donc, du coup, c'est soit on se fait un petit kiff, on part à l'étranger, mais pour pas bien cher. Soit en fait, eh bien, on part pas cette année, sachant que cet été on a la piscine. Je sais qu'on doit aller voir des amis à Toulouse et qu'on doit aller voir des amis en Savoie aussi, puisque l'année dernière, c'est eux qui sont venus. Donc cette année, c'est nous qui partons. On essaie de faire ça, une année sur deux. Et en 2025, on part à La Réunion. Donc là, l'argent que je mets de côté, c'est pour partir à La Réunion. Donc 50 euros par mois, comme ça nous laisse le temps de là-bas de faire des emplettes, de payer des courses là-bas, etc. Et que rien ne sort de notre portefeuille. Et s'il faut, on augmentera au fur et à mesure. Mais comme là, j'ai payé
Ce mois-ci, 1 529,23 € de réparation de voiture. Autant vous dire que voilà, le budget, il est ric-rac et que les économies ont pris un coup, donc il faut remettre de côté. Donc, pour la voiture, du coup, c'est pareil, pour éviter d'avoir eh bien des surprises comme ça à 1 500 balles, j'ai décidé de mettre 50 € tous les mois de côté pour au moins me retirer de ça quand j'irai faire la prochaine révision de ma voiture, donc début d'année prochaine, soit fin d'année, sachant qu'on m'a dit que je devais changer les plaquettes de frein et les disques. Donc j'aurai aussi ça en termes de dépenses, donc voilà, 50 € tous les mois de côté, s'il le faut, j'augmenterai le mois prochain ou le mois suivant si ben, y a plus d'argent qui rentre. Pour mon Cookeo, j'ai décidé de mettre 20 € de côté. Pour Noël, je mets 20 € de côté aussi. Pour l'anniversaire, les anniversaires, je mets 20 € de côté aussi. Quand je parle anniversaire, c'est surtout pour l'anniversaire des filles. Le mien, je fais 35 ans cette année. Je ne sais pas si je fête ou pas. Je n'ai pas encore décidé. Normalement, je me suis toujours dit tous les 5 ans, voilà, 35, 40 ans, je les fête. Je ne fête pas cette année. Je ne sais pas si je fête ou pas. J'ai pas encore pris ma décision. Donc on verra ça en temps voulu. Et puis voilà, il faut savoir aussi que par exemple pour le prêt, je vais vous donner une petite donnée personnelle. Par exemple pour mon prêt, donc nous on a un prêt à taux zéro et on a un prêt à taux fixe. Et du coup, en termes de prêt, pour notre maison, on paye 669,06 €. Il faut savoir que nous, quand on était en maison de location dans notre village, on avait une maison de 80 mètres carrés et on payait entre 630 et 650 € de loyer. Donc là, vous voyez, en étant propriétaire, on paye beaucoup moins en ayant un prêt qu'en étant en location. Et c'est surtout ça qui nous a fait nous décider à acheter, quoi. Parce qu'on donnait un loyer monstre, on va dire, à quelqu'un. Et puis, on s'est dit, bah, en fait, cet argent, on pourrait très bien le garder, voire payer moins. Et que ce serait pour nous, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de, il y a quelques années, il y a 6-7 ans déjà, de construire notre maison. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est mon programme de cette année, de tout écrire, de tout noter. Et à ce propos, l'année dernière, j'avais écrit dans ce petit carnet, donc je m'étais fixé un budget d'alimentation de 550 €. Donc là, je l'ai augmenté à 600 €. Sachant qu'on n'y est pas parce que je suis à 200, enfin on va dire un peu plus de 300 €, donc il reste à peu près la moitié. J'avais inclus dans mon budget de 550 € le repas pour les animaux. Cette année j'ai changé d'avis, je mets 200 € supplémentaires pour les animaux en budget parce que mon chat a une alimentation fixe, stricte. Et du coup je suis obligée d'acheter de la nourriture qui coûte un bras sur un site de vétérinaire. Chronovet, ça s'appelle, c'est moins cher que d'acheter chez son veto, puisque mon veto, en fait, c'est le fournisseur de mon veto, et donc mon veto il se tire une marge, et moi, ben, du coup, comme j'achète directement avec le fournisseur, ben voilà, j'ai été moins cher. Donc, ça va être mon budget. Donc, tous les mois, je vais vous dire mon budget s'il a été dépassé ou pas. Et du coup, animaux, j'ai décidé de faire une case animaux, spécial animaux, quoi, pour pas me dire ouais je mets à 600 €, mais je sais très bien qu'à 600 € ce sera pas possible parce que j'ai déjà 200 € au moins d'animaux parce que j'ai un chat et j'ai un chien. Et du coup je me suis amusée en fin d'année à additionner eh bien toutes mes dépenses en alimentation. Donc il faut savoir qu'au mois de novembre j'avais décrété, j'ai repris les retours de course au mois de novembre. J'avais commencé les retours de course au mois et puis après je suis repassée à la semaine où là j'ai explosé mon budget. Et au mois de novembre j'ai repris les retours de course et du coup j'ai respecté mon budget, même en faisant les courses au mois en achetant en gros. J'ai absolument respecté mon budget puisque j'ai eu un budget de 550 € et j'ai dépensé 511,56 € au mois de novembre. Et au mois de décembre je me suis fixé un budget de 250 €. Puisque on était là que 15 jours et les 15 derniers jours, en fait, c'était sur le budget des vacances pour la Martinique, le budget alimentation. Donc, je m'étais fait un budget de 250 € pour les 15 jours du mois de décembre. Et ben, vu que j'ai fait un vide congélo, eh bien, j'ai clairement respecté mon budget puisque j'ai dépensé 174,38 €. Donc, du coup, à l'année, j'avais un budget, en additionnant tous mes objectifs, j'avais un budget de 6 300 € de dépenses en 2023 sur la totalité de l'année. Et du coup, j'ai dépensé 6 964,77 € pour toute l'année 2023. Donc, j'ai dépensé plus de 600 €
le budget que je m'étais fixé. Donc on va faire la même chose pour cette année pour l'alimentation, et je pense même faire la même chose pour tout ce qui est action et Timu, parce que là quand tu vois que tu dépenses 6000 balles en nourriture pour l'année, tu te dis 6000 euros, t'imagines, c'est presque 6 mois de salaire. C'est pour quelqu'un qui touche 1000 euros, c'est 6 mois de salaire, c'est chaud, enfin c'est énorme, et je pense que ça nous met une claque. Que plutôt d'aller à Action et de se dire, ouais, je dépense 20 euros là, 20 euros, 20 euros, 20 euros, mais c'est pas grave. Mais en fait, quand tu additionnes tout au long de l'année, eh ben, tu te rends compte à quel point tu dépenses dans cette enseigne, et tu te dis, l'année prochaine, on va peut-être tenter de pas trop y aller ou de faire au mieux. Donc voilà, ce sont mes petites résolutions en termes de tenue de compte cette année. Je vais aussi reprendre toutes mes assurances, une par une, les faire analyser, peut-être pourquoi pas avoir un courtier pour faire diminuer au max mes assurances, mes abonnements, etc. Comme ça, je pourrais faire des petites économies encore à droite à gauche et mettre de côté pour les vacances ou autres, parce qu'il faut savoir que pour aller à la Réunion, il nous faut 6000 euros déjà de billets d'avion. Voilà, sans la maison, sans la voiture. À cela, tu ajoutes 1500 euros de voiture, tu ajoutes 1500 euros de maison et 500 euros à peu près de voiture. Donc, ça te fait un budget à 8000 euros. Donc, c'est un voyage qui se prépare, même si je vais chez moi, chez ma famille. C'est quand même un budget qui se prépare à l'avance. Donc voilà, on va tenter de faire au mieux, et on va tenter de respecter tout ça et de s'y tenir surtout. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt budget planner, si vous êtes plutôt enveloppe virtuelle ou enveloppe réelle. Dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez, quelles sont vos résolutions en termes de nourriture, peut-être cuisiner plus maison, peut-être d'autres non, au contraire, dis non, je cuisine pas maison, au contraire, j'ai envie de lâcher prise, j'ai plus envie de cuisiner maison, ça peut arriver aussi, chacun fait ce qu'il veut. Donc dites-moi un petit peu en commentaire comment vous gérez tout ça, sans trop rentrer dans les détails. Vous voyez, moi je vous ai donné quelques détails, mais je ne vous ai pas tout donné aussi, parce que c'est pas en mettant 50 euros par mois de côté que j'irai à la Réunion, ça c'est certain. Bon, j'ai quand même déjà des sous de côté pour les billets d'avion, j'ai pas encore les 6000 euros, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, je vous embrasse. Pour me permettre de savoir qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à mettre en commentaire le mot qui s'affiche juste ici, et ce sera un retour de course du mois. On recommence les bonnes habitudes, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !